Cet endroit sur l'avenue L'Île-de-France à Saint-André, filmé il y a quelques années, abrite désormais un immeuble. C'est précisément là, en 1936, qu'a eu lieu la première célébration du 20 décembre. À l'origine, cet homme, Gabriel Virapin. La mairie de Saint-André lui refuse tout rassemblement. Qu'à cela ne tienne, il décide de l'organiser dans sa cour. Gabriel Virapin, effectivement, est le premier du monde du travail à vouloir organiser une manifestation officielle, publique, dans les rues, en faveur des affranchis, des descendants d'affranchis de 1848, en 1936. C'est la première manifestation. Mais il n'aura pas l'autorisation du maire Léopold Le Martin. Il a fallu attendre un siècle pour qu'enfin le démantèlement de l'esclavage soit célébré à La Réunion. La personnalité de Gabriel Virapin est surtout associée au syndicat des haleurs de pioche. Mais il y a peu de domaines où ce militant de la première heure ne laisse son empreinte. Employé de commerce, transitaire à Madagascar, responsable des dockers à l'ancienne Pointe des Galets, industriel, journaliste, et il a été conseiller municipal au port et à Sainte-Suzanne. Pourtant, sa mémoire n'apparaît pas beaucoup dans les livres d'histoire. Mais je pense aussi que c'était parce que c'était le premier homme de couleur qui a quand même eu une certaine réussite. Non pas la réussite sociale, mais la réussite aussi familiale. Je pense que c'est important de dire que tous ces enfants, à l'époque c'était extrêmement rare, ont fait des études, ont été diplômés. Avec Gabriel Virapin, le statut de l'ouvrier est valorisé. Il suit de près l'application des 40 heures de travail par semaine et met fin aux corvées de fourrage que devait fournir le salarié en faveur de son employeur, en plus de son travail, héritage de l'esclavage. Gabriel Virapin tire sa révérence en 1973, après avoir sensiblement modifié les rapports entre les employeurs et les travailleurs.